Pass. Damani, ku nek na ma wax touram. Du man mako laccé, chef bi moko laccé. Car bi moy TGV té dafa am ay loi. Loi yi mom moko teural.
direction. Serge Agano, près le secteur ouest. Non, face à l'extérieur. Face à l'extérieur. Arme à la main. Arme à la main. Débarquez les réfugiés rapidement. Débarquez les réfugiés. Ok, tirez les temps. Allez plus rapidement, prenez-moi le piqué. Allez, que ça sorte en but. Tirez les temps, que ça sorte en but. Voilà. À deuxième temps, et en vitesse. Oh. C'est ton car qui part en Guinée? À Conakry, oui. On ne publie pas, c'est les Bidjago ont pris les armes. Mais je passe pas par Bandafasi, je prends la route de Tchokoi. Bandafasi, Tchokoi, c'est encore chez eux. On ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. En tout cas, avec Kalinger comme chef, on ne peut rien prévoir. J'ai fait évacuer les villages. Alors je passerai par Fongoli. Écoute, si tu veux crever, c'est ton problème. Mais pour les civils que tu amènes, tu seras responsable. Ok, je vais leur parler. Vous avez prévu une escorte pour nous? Non, pas d'escorte. Notre travail, c'est les réfugiés et éviter les bains de sang. Vous êtes prévenus? Les civils se déplacent à leurs risques et périls. Neuf. Raoul, boy, n'aidem. Vous êtes complètement fous! Vous, vous allez me payer à la fin du mois. Moi, c'est avec ça que je mange. Bala ya yange nyange tsw bala ya yange nyange tsw bala ya yange nyange jaru ragal bala ya yange nyange ragalu bala ya yange nyange tsw chef legui meun nañu dem on a 15 minutes 30 secondes de retard yo xamé dañ ko wara dabou bala ya yange nyange tsw bala ya. C'est pour Conakry. Montez, Demba, les bagages. Abdoulaye Sall. Et c'est notre ministre des Finances. Alors comme ça, vous avez été viré du gouvernement. Limogé, mademoiselle. Limogé. Quel ridicule. Comment est-ce que vous avez fait pour me reconnaître? C'est votre cravate rouge. On ne regarde que ça quand on voit la télé. En plus, chez moi, comme il n'y a pas une seule grand-mère qui comprenne le français, alors... On peut y aller, chef. Installez-vous, madame.
Ministre, on vous installe en première classe. Mais c'est drôle. À la télé, on a l'impression que vous avez une moustache. C'est terrible d'être chassé de sa maison. Espérons que demain, il soit à Dakar. S'il reste de la place dans le camp des réfugiés. Qu'est-ce que vous racontez tous? C'est parce que vous êtes virée que vous n'écoutez plus les informations. Mademoiselle, ne soyez pas insolente. Pas mademoiselle, madame. Enfin, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui peut me dire ce qui se passe? Allez, dis-lui. Le réfugié. Et Bitiako. Le Bitiako. Ce sont Raval Temus et les ministres. Continuez. Allez, continuez. Les paysans quittent les villages. Le militaire installé en camp à Dakar pour le refuser, monsieur le ministre. C'est tout. Oulala, tu parles bien, toi. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils mettent les paysans dessus-dessous pour qu'on leur rende leur foutu totem. Il est devenu fou, Kalinga. Mais monsieur le ministre, si on ne respecte pas le peuple un jour ou l'autre, le peuple vous chasse. En exposant leur totem au musée, c'est tout le peuple qui en profite. Et les touristes du monde entier. Chérie, je pense qu'il vaut mieux retourner sur Dakar. Sors le portable. Il faut que j'appelle quelqu'un. Il aura été bien court, votre voyage, monsieur le ministre. Ça ne passe pas. Il n'est pas bien portant, ce portable. Chauffeur, il faut qu'on retourne sur Dakar immédiatement. Il s'appelle Rambo. Rambo ! Ah non ! On va à Conakry. En plus, vous n'avez vraiment pas à choisir pour nous. Oui, nous allons à Conakry, même si on doit y laisser notre peau. Chérie, je trouve que c'est très dangereux. Faisons demi-tour sur Dakar. Madame, vous êtes bien de mon avis? Non, madame. Très bien. Puisque vous refusez que les plus hauts responsables politiques prennent des décisions, je vous propose de voter. Mais tu es fou? Tu vas voir, chérie. Ok, voilà une bonne idée. On vote. Écoutez, j'en ai rien à cirer de vos petits problèmes. Je veux aller à Conakry. Mais attendez. Attendez. Ceux qui espèrent arriver à Conakry n'ont qu'à lever le bras. Mais c'est à eux que je veux m'adresser en cet instant tragique. Mesurez les conséquences douloureuses que provoquera votre décision. Pensez à vos familles, à vos enfants qui vous aiment et qui vous attendent. Justement. Ce bras, si vous le levez... On peut voter maintenant? Monsieur! Tu as été encore ridicule. Mm-hmm.
Il y en a un qui veut descendre. Pas question. S'il veut pisser, tu lui ouvres la porte. Non, il veut un sac. Tu montes et tu lui donnes. Oui. En roulant. Oui, en roulant. À m'offrir. Et une normale. Vous avez tort de ne pas choisir une spéciale. Vous avez déjà tiré avec ce fusil? C'est mon père qui m'a donné. J'ai tiré qu'une seule fois avec. J'avais 8 ans. J'ai failli tuer ma mère et ma petite sœur. Prenez votre temps. Vous êtes branché sur du 220 volts. Vous verrez la bière en rose après. Emma? Dembar, tu dors? J'ai un petit secret qui brille mes lèvres. J'ai tellement envie d'en parler à tout le monde. Si ça vous fait plaisir, je vous écoute. Ces 4 femmes, son père, je m'en vais en Guinée pour me marier avec une 5e. Ah oui? Ses visas photo, il est belle comme un petit animal. Et maintenant, tout a été organisé. Dans un mois, mon mari va prendre sa belle-sœur en deuxième mariage et dire qu'on s'aimait tellement tous les deux. Et si son frère est mort, la famille peut s'occuper de la veuve sans forcer ton mari à l'épouser. Le marabout est l'oncle de mon mari. Et quand il a décidé ce mariage, personne ne s'y opposait. Tu as raison de partir. Je crois que je ferai comme toi. Maintenant, ils ne me font plus peur. Quand je vois ces deux-là, j'ai presque envie de rire. Pourquoi traiter ainsi les femmes? Je crois qu'ils ne nous aiment pas. Je crois que si. Mais que pour certaines choses. Oui! Ça chauffe ici! Usain Bolt, faites le bord. Les femmes et les jeunes vous dérangent. Alors vous faites comme si elles n'existaient pas. Yenyo, Napil. Arrêtez d'embêter cette femme. Sinon, je vous fais descendre. Hey, cool. Moi, je n'ai rien fait. Je ne disais pas ça pour toi. Notre Sakarbi. Il l'a fait, hein? Il l'a fait. Et toi? Il me faut un peu d'eau pour faire repartir tes GV. Il m'en reste un peu. Merci. On est bien ici. On n'a qu'à attendre la pluie. Acha, waï, acha, acha. Encore un peu d'eau, waï. Acha, acha, waï, acha. C'est pas trop de maïkan. C'est une panne mécanique. N'a pas l'air très content. Alors, comme Diam, Salal Mohamed, Walal Mohamed, Diam Argaï. Alors, comme Diam, Salal Mohamed, Walal Mohamed, Diam Argaï. Alors, comme Diam, Salal Mohamed, Walal Mohamed, Diam Argaï. Alors, comme Diam, Salal Mohamed, Walal Mohamed, Diam Argaï. Oh, putain, putain, pédale, bordel de merde! Cessez vos conneries à la fin! Le orage! Thank you.
ça coule dans ton boutique. Donne-lui le chewing-gum. Mâche-le et bouche le trou. Vous ne pouviez pas le faire avant? Ça coule. C'est suffisant à tout le monde. Bienvenue. Rambo, toujours à l'heure. Oui, toujours. Demba. Oui. Ce pot d'échappement, là, tu le vérifies. OK. Entrez, entrez, entrez. Il y a un plat chaud qui vous attend. Entrez. Mesdames, les toilettes, c'est derrière. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, c'est pour les dames. Là, pour les hommes. Sanat, c'est pour dormir. Dormir ou ce que vous voulez. Tu vas aller me faire le plein d'essence, d'accord? Mais tu quittes pas TGV. Et tu reviens aussitôt. Voilà, aubergiste. Tu me files une bibine bien fraîche. Et une king size, OK? Ici, je vends pas d'alcool. Et comme ça, j'ai pas de problème. C'est d'un homme comme vous dont mon mari aurait besoin. Vous continuez après ou restez à Conakry? Mon maître est attendu à Conakry pour le grand rendez-vous des féticheurs. Alors on ne peut plus fumer ni boire. Moi, les gars, faut que je file faire un petit tour. Monsieur le ministre, next time. Thank you.
Tu nous paies un verre?